Et salut à tous, c'est Off, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et aujourd'hui le retour de Xur dans notre galaxie tout simplement comme chaque week-end. Bien évidemment le fameux rituel à 18h le vendredi il arrive, bien évidemment à chaque fois vous avez la vidéo le lendemain. Parce que tout simplement bah j'y fais pas la vidéo à 18h, hein. J'y fais pas la vidéo à 18h, voilà tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il a à nous vendre. Alors je te cache pas que Xur, j'ai l'impression que plus ça va, plus ça s'aggrave. Genre c'est de moins en moins intéressant ce qu'il vend. Mais bon, on va dire que normalement ça peut pas être pire, tu vois. Allez, go. Ok, les petits potes durs, montre-moi un petit peu ce que t'as. Je vous apporte un message de la part des neufs. Ah bon? Quel est donc ce message? Le Merciless, l'impitoyable. Alors un très bon exotique, un très bon fusion exotique pour le Red Calus, pour les baigneurs notamment. C'est 100% approuvé, genre si vous faites-le, achetez-le, hein. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment. Mais bon, en vrai, je crois que la plupart des gens que je connais l'ont. Donc je pense que ça doit pas être si compliqué de l'avoir celui-là. Ensuite, le pantalon porte-bonheur, donc une armure de jambes pour chasseur, qui en fait tout simplement les tirs de précision remettent une petite balle dans le chargeur de votre revolver qui sont rangés dans leurs étuis. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas dégainé, tu vois. Donc en gros, c'est-à-dire que vous jouez, je sais pas, revolver et un pistolet en secondaire. Tous vos tirs de précision au pistolet, si vous n'avez pas rechargé votre revolver, va le recharger. Donc c'est pas dégueu, mais bon, c'est pas le mieux non plus pour chasseur. Ensuite, la clôture électrique CDA slash 0, donc tout simplement des gantelets pour titan exotique. C'est simple, les frags de mêlée chargent une espèce d'énergie dans les bras, et une fois que vous êtes mêlé par l'adversaire, et ben ça libère une charge électrique autour de vous. Donc c'est recommandé principalement pour du PVP. En PVE ça peut être utilisé, mais je préfère vous le dire, c'est clairement recommandé pour du PVP. Après, libre à vous de l'utiliser de la manière qu'il faut. Et ensuite, nous avons le protocole de feu stellaire. Bon, normalement, vous devez connaître. Hein, donc c'est très simple, fournit une charge supplémentaire de grenades à fusion pour les arcanistes. Donc les arcanistes solaires, hein, bien évidemment. Les grenades se rechargent plus vite, les frags à la grenade à fusion confèrent de l'énergie de faille. En gros, ça vous permet de réduire vos timers. Aussi simple que ça, si vous avez la chance de toucher avec votre grenade à fusion, et sachant que vous en avez deux, bah c'est pas mal si vous jouez double grenade fusion avec un arcaniste solaire, même si c'est très rare. Et bien évidemment, le 3 deniers, ainsi que l'engramme prédestiné, comme d'habitude, qui vous garantit un équipement que vous n'avez pas normalement. Mais ça, c'est dans l'éventualité, tu vois. Sur ce, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Lâchez, spread the love, tu vois. Hein, aimez tout le monde, tu vois. Genre, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur Destiny 2, notamment les updates. Et je vois que vous aimez ça, donc je vais continuer. Hein. Ça a l'air de vous intéresser plus qu'autre chose, donc continuons ainsi. Et sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnement si vous êtes nouveau. Si ce n'est pas le cas, un petit commentaire. Même si c'est pour dire n'importe quoi, ça passe, tu vois. Enfin bref. Allez, à plus.